On va d'abord donner la définition du mot zombie. Parce que quand on pose la question à quelqu'un actuellement de savoir c'est quoi un zombie, il va tout simplement te répondre, en tout cas certains, une grande partie de personnes dans le visible, ils vont vous dire qu'un zombie c'est ce dont on représente dans les films hollywoodiens, vous voyez les gens qui, les cadavres en gros, c'est des cadavres ambulants, des morts, des défunts qui vont ressortir de leur tombeau, des cercueils, vous voyez, ils vont marcher de façon ralentie. Ils sont presque pourris et ils vont manger, ils ont envie de manger de la chair humaine, ils veulent boire du sang, ils vont appeler ça la zombification. Tandis que d'autres disent que les zombies, c'est quelqu'un qui est un défunt, bon, le corps de quelqu'un, et les anges déchus vont posséder ce corps. Ils vont se lever avec ce corps, ils vont commencer à marcher, à marcher. Pour faire croire que les fantômes existent, les revenants, ainsi de suite, hein, pour tromper encore beaucoup de personnes. Ça, c'est les dires de certains. Et d'autres aussi vont vous dire qu'un zombie, c'est l'âme de quelqu'un qui a outrepassé, en gros, qui ne veut pas aller dans le monde des morts, dans le séjour des morts, dans le pays des morts, qui ne veut pas aller dans l'au-delà. Il a tenu résistant à la mort, donc il veut encore vivre sur la terre. Donc, son âme va être troublée. Son âme est dans une sorte de confusion, de séparation. Et en cela, ils vont facilement envoûter la personne. Ils vont dire ça, c'est des zombifications.